Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu mes vacances, avec moi en vacances. Là on a loué une maison tout près de Toulouse. Si vous me suivez sur Snapchat et Instagram, vous êtes au courant. On a un peu visité Toulouse, donc je vous mettrai des petites images de Toulouse. On a un petit peu, on a fait des petits tours. Aujourd'hui il fait pas très très beau, hein. Je sais pas si vous voyez le ciel, mais on va dire qu'il est un peu nuageux. Il fait 22 degrés je pense, donc c'est pas la super chaleur. On n'a pas de chance d'ailleurs cette semaine parce qu'il fait pas non plus une météo de dingue dans le sud de la France, donc c'est nul, parce que je vous avoue que quand on a une maison dans le sud de la France, on a envie d'avoir la météo qui va avec, surtout quand je vais vous montrer ce qu'il y a là-bas. Donc on a de la chance dans cette maison qu'on a louée, on l'a louée avec Airbnb. Je vous mettrai mon lien de parrainage si ça vous dit en barre d'infos. Si vous ne connaissez pas Airbnb, ça permet de louer des maisons ou des appartements ou des studios dans les villes où vous voulez, hein, en France et même en Espagne, etc. Dans des villes où vous n'avez pas forcément envie de payer un hôtel. C'est pas mal le Airbnb, mais attention, parfois l'hygiène laisse à désirer. Dans cette maison, ça reste plutôt bien. C'est pas non plus un hygiène de ouf, mais ça reste plutôt cool. Mais le jardin est super sympa. Vous avez vu, il y a un grand grand trampoline qu'on a fait. Là-bas, il y a une super balançoire où il y a ma fille qui joue. Et qui rechaude parce que personne la pousse. Et là-bas vous avez le hamac. Et derrière il y a la belle surprise. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant je vais aller pousser un petit peu ma fille. Je ne vais pas voir. Attention. Ouais. Papa arrête. Qu'est-ce qu'il fait papa? Papa aussi va filmer. Poupette, tu t'amuses bien dans la balançoire? Oui. 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 L'entrée de la maison, comme vous pouvez voir, vous avez la porte d'entrée, il y a même le chat. Et il y a une première petite terrasse. Ensuite, si on avance par là, vous avez des superbes arbres, un petit hamac, une autre petite terrasse, comme ça, qui est sympa, mais je sais pas trop à quoi elle sert. Et voici la bête. Et donc on a loué cette maison surtout pour ça en fait, parce qu'on pensait qu'il y aurait du beau temps et qu'on pourrait en profiter. Donc on en a profité déjà pendant 2 jours, mais là il fait pas très beau comme je vous ai dit, donc on va pas en profiter aujourd'hui. On va aller plutôt visiter les villes autour de Toulouse, Albi, etc. Peut-être Carcassonne aussi, donc on va aller, je vais vous montrer tout ça. Mais voilà. Puis je vous montrerai des petites images aussi quand on plonge dans la piscine. Quand il fera beau, si vous suivez ces vlogs. On a à côté un espèce de hangar à vélo qui est plutôt pas mal parce qu'il y a des vélos qu'on peut utiliser. Et là vous avez accès à la maison avec une autre petite terrasse où on a enlevé tous les coussins en fait pour les faire sécher, parce que comme il a plu, c'était tout humide. Mais là c'est la petite terrasse où on fait les apéros. Et vous avez une autre terrasse ici avec un jardin derrière qui est très sympa. Donc la maison est plutôt sympa. Ça je suis moins fan, vous avez un enclos avec des tortues. Bon après ils ont des petites tortues, ils en ont même à l'intérieur d'ailleurs. Donc voilà, bon je vais aller repousser ma fille. Et je vous montre après les petites images de nos péripéties. Si on bouge d'ici. Pour information, pour celles qui connaissent, on est à Castanet-Tolosan, si je ne me trompe pas. D'ailleurs ça j'en ai fait, c'est juste trop génial, mais c'est hyper sportif. Hein. J'ai fait même de la corde à sauter dedans, je peux vous dire que c'est hyper sympa. Il y en a qui s'amusent bien. Je vais essayer de faire des figures. Et voici l'intérieur de la maison, sachant que c'est une maison où il y a 4 chambres, si je ne me trompe pas. Oui, 4 chambres, une grande salle de bain, des toilettes et un grand salon. Alors on est de retour de Albi, je vous ai montré des petites images, j'espère que ça vous aura plu, mais je vous avoue que c'est une sublime ville, vraiment très très atypique et très très sympa. On a marché sur les bords de la
les berges du Tarn. C'était très joli. Et on est passé dans une petite boutique spéciale un peu cave à vin, où les amis avec qui on est en vacances, le parrain et la marraine de ma fille, ont craqué pour des vins rouges, etc. du coin de Gaillac surtout. Et moi, j'ai pris une bouteille de vin blanc, un peu style Montbazillac, vin sucré, pour aller avec ce que j'ai acheté, puisque je bois très rarement d'alcool, mais je vous avoue que le vin blanc, j'aime bien en prendre un petit peu. Et j'ai craqué sur surtout du foie gras du sud-ouest, de la région, qui a été fabriqué dans le 81, donc dans la région. Attention, il y a Papounet et il y a la crapouillotte qui court après son père. Vite, papa, il est parti là-bas, poupette. Vite, regarde, il arrive. Et du coup, j'ai craqué pour du foie gras, le pré au canard, foie gras du canard entier du sud-ouest. Donc j'ai hâte de le goûter, ça a l'air trop trop bon. C'est vrai qu'ici, on a... Oula, c'est ça qui va partir de la piscine. On a favorisé les produits du terroir, hein, on a essayé d'acheter tout ce qui était un peu du coin. Et ce sont de très belles régions en tout cas qu'on a visitées, donc trop ravis. On se retrouvera dans la suite de ce vlog, peut-être pour un futur plongeon. Pas ce soir parce qu'il caille, mais peut-être demain ou après. Hello, on continue ce vlog, puisque ça va être ensemble une sorte de vlog semaine hein, peut-être. Aujourd'hui du coup on est quel jour? Jeudi? C'est ça maman? Jeudi. Et il fait pas beau. Là ça s'est un petit peu dégagé mais il fait pas beau. Et du coup bah aujourd'hui on n'a pas fait grand chose. On a été faire les magasins à Kiabi parce que je voulais m'acheter des nouveaux vêtements. Je vous montrerai ça demain parce que j'ai pas eu le temps tout à l'heure. Et là on part au restaurant en amoureux. C'est nos amis Greg et Yasmine qui gardent nos loulous. Et d'ailleurs mon fils commence à faire ses dents. Du coup bah il chouinait un petit peu. On verra, on va essayer de profiter quand même de notre soirée en amoureux. Et on va au restaurant Le Bistrot du Compan à Toulouse. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais j'ai hâte parce que c'est foie gras et magret de canard, des trucs comme ça trop bon. Du coup le lendemain, vous me retrouvez au réveil avec mes têtes du réveil. J'avais envie de vous montrer un petit peu mes petits achats chez Kiabi comme je vous en ai parlé hier. Comme ça après je vais pouvoir les mettre au lavage et les utiliser, surtout pour mes enfants. Parce que bah, en fait, vu qu'on est parti en vacances à Toulouse, je me suis dit que j'allais emmener que des fringues un peu estivales, vu que je pensais qu'il allait faire vent. Je ne pensais pas qu'il allait faire 20 degrés. Hein, et qu'il allait pleuvoir les trois quarts, pas trois quarts du temps, mais en tout cas pour l'instant ça fait presque une semaine qu'on est là et on a eu deux jours de beau temps, même pas un jour et demi on va dire. Donc bon, je sais que c'est toute la France qui est comme ça, mais bon ça saoule quoi, sérieux. Bref, donc je vous montre un petite veste comme ça que j'ai acheté pour ma fille, vous savez, style un peu de jogging, gris chiné avec des paillettes. D'ailleurs, je sais pas trop si vous verrez quelque chose. Elle coûtait 10 euros chez Kiabi et je prends taille 4 ans parce qu'en fait la taille 3 ans était trop petite pour elle. Donc maintenant, il va falloir que je commence à regarder tout ce qui est en taille 4 ans pour elle. Donc elle est trop grande. Là, elle est parfaitement à sa taille alors que c'est du 4 ans. Donc voilà, elle est simple. Hein. Mais je me suis acheté exactement la même au même prix pour moi en taille XL, c'est pour vous dire, en version noire. Voilà, une veste de jogging, on va dire, un peu pour sportswear, vous savez, pour sortir avec une capuche, toute noire basique, une fermeture, je sais pas si vous verrez quelque chose, une fermeture éclair, enfin, un truc tout à fait basique, mais j'en ai pas des comme ça, en fait, à la maison. Des noirs, j'en ai pas trop, donc j'ai arraché l'étiquette, mais ça, c'est pas grave. Vous voyez, comme ça. Donc celle-ci c'est pour moi. Pour ma fille, je continue avec un autre petit haut à manches longues que j'ai acheté. Donc ça va être pour maintenant parce qu'il fait froid. Et aussi peut-être pour la rentrée. Voilà, ça servira. Ah, celui-ci est à 4 euros en taille 4 ans encore une fois. Le deuxième est tout gris comme ça, chiné pareil avec un petit motif sympa. Alors sachez que ces petits hauts, je les utilise voilà, avec un body en dessous ou rien, ça dépend de la météo qu'il fait. Et après, quand ils sont un peu vieillots, parce que à force avec le lavage, etc., ils deviennent un peu pas très beaux, je les utilise en pyjama. Ils sont très bien aussi en pyjama.
Et celui-ci était à 2,50€, je crois. 2,50€. Pour mon fils, je lui ai acheté un lot de body, manches longues. Voilà, en taille 6 mois, parce que j'avoue que j'en ai pas trop au niveau taille 6 mois. J'ai regardé avant de partir, j'ai pas trop de body. Je pensais, enfin, on m'en a donné pas mal, mais on m'a pas donné en taille 6 mois. Donc, bah, j'en ai acheté quelques-uns. Donc, voilà, 12€ le lot de 4 body dans les tons gris, parce que j'adore sur mon fils. Je trouve que le gris, ça lui va très très bien. Et pour aller avec, un petit pantalon, parce que c'est pareil, j'en ai pas beaucoup, beaucoup. Où j'en ai, mais c'est des trucs jeans, ça serre. Je trouve qu'il va pas être à l'aise dedans, en fait. Donc, je me suis dit que j'allais prendre des sortes de petites jogging comme ça. Mais je vais pas dire classe, mais voilà, sympa, pas trop de motifs, basique, resserré au bout. Et celui-ci était à 5€ et j'ai pris en 6 mois aussi. Pour ma fille, je lui ai pris un petit legging noir basique, voilà, tout simplement à, je crois, 3€. Ma fille, elle a arraché toutes les étiquettes en taille 4 ans, encore une fois. Et pour moi, donc, avec la veste, j'ai craqué pour un petit haut comme ça. Tout blanc, tout joli, j'ai trouvé très sympa d'ailleurs, à 8€. J'ai trouvé dans les rayons femmes enceintes, pour info, je crois. Ouais, maternité, je suis pas enceinte, hein, mais voilà. Des fois, les hauts de femmes enceintes sont très sympas, ils sont assez larges au niveau du bassin, parce que moi, je suis très très large du bassin. Et du coup, 8€, voilà, en taille 42-44. Et pour finir, un super pantalon, je suis trop trop contente de ma trouvaille de ce pantalon, il est trop beau. C'est un pantalon en taille 46-48. D'ailleurs, il a un chouïa grand. Mais il n'y avait pas 44-46. C'est dans les rayons grande taille, je crois que j'ai trouvé. Ouais, dans les rayons grande taille. Qui commence au 46, je crois bien. Chez Kiabi, je joue. À 15€ le pantalon. Je ne sais pas si vous verrez en haut, il a des effets fausses poches comme ça. Il est élastique. C'est comme en fait un legging, mais super épais, super chaud. Alors ma copine Yasmine, elle m'a dit que ça boulochait un petit peu, on verra bien, mais en tout cas, voilà, il est tout noir, tout basique, il est super long, il est resserré au bout, voilà, comme un legging, mais il est super long, et c'est bien la première fois, en fait, que je trouve un pantalon qui est super long. Alors il est serré en bas, c'est pour mettre avec des petites bottes, des bottines, etc., mais qui tombe super bas, c'est hyper rare, vous pouvez pas vous imaginer, d'habitude je galère, ou ça fait un peu pêche au moule, du coup quand je mets des bottes, on va dire que ça se voit pas, mais là il est trop bien. Donc je suis contente de cette petite trouvaille pour 15€. Voilà pour mes petits achats. Aujourd'hui, sachant qu'il fait pas très très beau, mais ça, il s'est arrêté enfin de pleuvoir. Je pense que on va aller faire un petit marché dans le coin pour acheter des petits légumes d'agriculteurs du coin, etc. Parce que nous, on aime bien faire ça. Et puis, cet après-midi, ben, on verra. Peut-être qu'on partira à Carcassonne si le temps le permet. Sinon, on ira se balader peut-être à Action aux Noces depuis quelques jours, vu qu'il fait pas beau, j'ai envie d'aller à Action aux Noces, puisqu'il y en a un, il y en a près de Toulouse, mais... En même temps, je me dis que j'ai pas en vacances pour aller faire des magasins chez Action et chez Noces, mais bon, on verra si j'arrive à motiver mon mari. Voilà, bon, je vous retrouverai tout à l'heure. Et on a enfin un rayon de soleil, mirage. Bon, le ciel se dégage, mais c'est pas encore ça, je sais pas si vous verrez quelque chose. Et on pourra quand même pas, je pense, profiter de la piscine parce qu'il fait que 20 degrés. Donc bon. Mais, garde espoir, le soleil arrive. De Carcassonne, c'était une super ville, c'est très sympa avec la cité médiévale qui est très très jolie, vous avez vu quelques images, mais voilà, et en plus le temps il s'est dégagé donc c'est trop bien, et il y a ma crapouillotte, il y a tout le monde de toute façon dans la voiture. Salut, on se retrouve pour la suite du vlog. Aujourd'hui on est samedi et honnêtement on a de la chance, il fait super beau, le ciel est tout bleu, il fait vraiment un temps magnifique, on va pouvoir profiter de la piscine et je vais vous montrer tout ça de toute façon dans la vidéo. Je vais vous montrer aussi les produits que j'utilise sur mes cheveux pour protéger du soleil ainsi que ma peau, tout ce qui est indice protectrice, parce que je trouve toujours sympa de voir ça. D'ailleurs, c'est assez rare de voir dans les vidéos que les huiles que vous utilisez pour protéger vos cheveux des UV, mais faut pas les oublier. D'ailleurs, là, faudra que je remette un petit peu.
Et aujourd'hui, trop beau temps de prévu, donc on va profiter un max parce que on a logiquement 2-3 jours de beau temps et après ça redevient un petit peu mitigé, mais on verra, la météo elle change tout le temps. Ouais. C'est la France entière où c'est pas terrible, mais là honnêtement on a de la chance, on a le week-end qui est top. Demain je vais voir ma famille, donc je sais pas si je filmerai ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas on va profiter. Attention! Barbecue. Ça donne trop envie. Voici ma petite routine pour le corps au niveau de cet été. Donc sur le visage, j'utilise la baume La Roche-Posay avec la crème Aderma, un des 50. Pour le corps, j'utilise celle-ci que j'adore, qui sent trop bon, de chez Hawaiian Tropic, un des 30. Et celle qui se fait la malle, c'est pour les cheveux, de chez Phytoplage. Il faut que les guêpes elles viennent me voir aussi, tiens, en même temps. L'original, c'est ça, c'est trop bien pour les cheveux, c'est parfait. Et celle que je vous déconseille le plus, qui est vraiment toute pourrie, c'est celle-ci, qui vaut pas la peine du tout. Là, je l'ai utilisée à la moitié, mais elle est vraiment, vraiment très nulle. Et d'ailleurs, elle part dans l'eau, donc elle sert à rien. Vas-y, voilà, c'est bien. On va clôturer ce vlog ici pour ce dimanche soir. Du coup, bah, vous avez vu un petit peu cette première semaine avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Juste pour info, cette petite robe, c'est une robe de chez La Redoute que j'avais reçue dans une vidéo La Redoute. Je vous mettrai le lien ici. Mais voilà, je la trouve très jolie d'ailleurs pour les vacances. Les soirées en fait un peu chaudes, je sais pas si vous verrez. Et ça finit par une petite jupette un peu. Voilà, pour les soirées d'été, c'est plutôt sympa quand il commence à faire un petit peu frais le soir. Du coup, ça manche 3/4. Et j'aime beaucoup le haut. Après, elle n'est pas spécialement faite pour ma morphologie. Parce que je pense qu'elle est plus pour des filles qui sont de morphologie en A, vous savez, droite. Ce qui n'est pas mon cas, hein, puisque moi j'ai des hanches très marquées. Bref. Donc voilà, j'espère que ce vlog de semaine vous aura plu, ma première semaine en vacances. Et puis on se retrouve dès demain pour, enfin la prochaine fois, pour la deuxième partie. Je vais m'en sortir. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vous, vos vacances, où vous avez été, si vous avez eu beau temps, contrairement à nous. Et puis on se retrouve pour la prochaine partie, très prochainement, très bientôt. Salut !